is the way we buy. Eh bien salut tout le monde, c'est Max769 et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 6 de Borderlands 2, Tiny Tina et la Forteresse du Dragon. Et je suis encore en compagnie de NonoBenom7. Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, peut-être pour la fin de cet épisode. Oui, peut-être la fin. Vous allez me manquer franchement, c'était un super moment. Mais non, on va se retrouver sur Dead Island Routine. Mais oui et... j'ai pas demandé, est-ce que tu vas bien? Oui, ça va, et toi? Bah oui, très bien, très très bien. Bon bah... donc on va let's go. Aller vaincre le beau Jack. Non, le beau sorcier. Je vais mettre une putain de musique. Oh là. Ah oui, le beau sorcier. Il y a un truc qui bug là. Je sais pas si tu le vois bugger, moi je vois un dragon qui bug dans le sol. Bah le voilà. Ah ouais, il est là-bas. Ok, donc il y a un grand dragon, juste qu'on peut le niquer comme ça. Il y en a deux même. Je sais même pas si on va... On les attaque pas. Bon bah, faut les attaquer alors. J'ai limite... Il y a pas que des dragons en fait. Ah ouais. C'est bug. Ouais, il y a des squelettes. Oh là là, ça commence hein. Oh là là, et en fait la map au-dessus elle est grave grande quoi. Ouais. Oui, je vais dans la map alors que je suis en train de me faire niquer. Ah non. Oula. Ah ouais, d'accord, en fait t'as déjà niqué. Oh, y'a encore les crânes. Non, y'a un nécromancien directement. Un nécromancien? Ouais. J'ai cru que c'était le mec avec le robot quoi. Non, c'est la fille déjà. Ouais. Oh putain, il me ralentit ton frère. Je te pousse mon gars. Putain. Donc Mais en fait, c'est pas là du tout en fait. Où est-ce qu'elle est l'entrée? Bah attends. Déjà, on va tuer tout le monde, on va faire le Lord. Et on va récupérer les coffres, histoire de prendre nos précautions, histoire de pas mourir. C'est clair, non, parce que je sens que ça va être un peu long. Si on a eu le... Je crois qu'on... Eh merde. Voilà. Parce que là, il va être un peu chiant. Je trouvais plus le... Voilà. Ça commence bien. Ah oh, putain, il y a un squelette électrique, mais je veux pas qu'il disparaisse. Oh shit. Vas-y, bravo, respect. On se respecte. C'est moi le sauveur cette fois. Pour une fois. Oh putain. Bah, bravo, ça fait pas professionnel. Hein. Ouais, excusez-moi, j'ai pas pu me retenir. J'ai eu une poussière dans la gorge. Une poussière dans la gorge, rien que ça. Et il reste qui à battre là? Ouais, c'est bon. Ok. Donc, récupère bien tous les coffres, on va jouer. Ouais. On va essayer de faire ça stratégiquement histoire qu'on soit pas dans la boss si on est au boss final. C'est moi ou il y a un nouveau dragon? Ouais, j'ai entendu un bruit et puis il disparut. Moi aussi j'ai vu une ombre bouger, une connerie dans le genre. Le gros coffre, j'ai pas. Ah putain, il y a un squelette. Un squelette derrière toi, Yann. Ah, j'en étais sûr. De quoi? J'en étais sûr que le coffre c'était un monstre. Quel coffre? Oh putain, j'ai pas vu. T'es sérieux? Ah oui, tu m'as dit derrière toi, j'avais vu un squelette et après je me suis retourné, je l'avais pas vu lui. Récupérer les kitchens. Bon, Ah c'est chopé le connard qui a fait ça. Tu m'étonnes. Ouais, donc récupère bien tous les coffres. De ce côté là, c'est bon normalement. Oh l'autre côté. Tiens, celui-là on a fait couper. Ah. On va essayer de pas se fail pour la fin quoi. Ouais, ça c'est très beau. Je m'étonne. Au milieu, il y a pas de chemin un peu. Non, c'est pour montrer. Ouais, donc ouais, sûrement sur la gauche. Vu qu'il y a ce qui est enflammé en face. Bon, moi ça va, au pire, tu vois, je peux récupérer mes mules. Ah, il y a pas pu. Il a ramené ses pompes. On va pas se faire chier, en même temps, je peux récupérer des mules. Quand je suis en défroyage, c'est ça qui est vraiment pratique avec le défroyeur. Ouais, bah ouais, c'est clair. Et tu bourrines, et en plus, plus tu tires, les tirs ils vont vite et ça se recharge. Non, je crois pas que ça se recharge plus rapidement. Il a mis de mitraillette et tout, c'est vraiment abusé. Bon, après, tu tires un peu. Ouais. Il suffit que tu tues pas de monstre, tu fasses que de rusher ou quelque chose dans le genre. Encore un coffre. Dragon vert.
Et ils ont fait que ça, là, je pense. Ouais, tu m'étonnes. Il y a le dragon, il veut pas venir. Bon, vas-y, on va continuer. Bon, j'ai pris les coffres qui étaient là. Excusez-nous, on est un peu concentrés, mais bon, je pense que c'est normal. C'est la fin. Voilà. On essaie de pas se fail dès le début. C'est clair, déjà. On est mort tous les deux une fois. Bon, re tout le monde, désolé, donc j'ai vu. Ça a pas bugué en plein milieu. Enfin, la capture a bugué, voilà quoi. J'ai vu une image figée, donc je me suis dit, ah, c'est pas bon, je vais relancer. Donc, voilà. Donc, on a niqué les mecs là. Pardon. J'ai mal à la gorge, je sais pas ce qui m'arrive. Donc, bah, on est en train de monter la tour, quoi. Voilà, il y a un truc bizarre bleu là. Une espèce de téléporteur ou je sais pas quoi. Comme par hasard, quand j'ouvre la fenêtre pour faire de l'air, bah, il y a une voiture qui passe. La totale. Hein? La totale. Tu m'étonnes. J'espère juste que ça va pas rebugger vraiment. Parce que ça. Franchement, faire les montages déjà c'est chiant, et en plus avoir une vidéo qui bug c'est encore plus chiant. Enfin, je vais vraiment essayer de changer de PC parce que là franchement c'est horrible, les logiciels qui bug tous les deux records et tout, franchement c'est horrible. Ouais. Donc sinon j'essaie d'avoir un truc ventilé pour bien ventiler mon ordi. Bon, t'es prêt Max, on y va? Ouais, allez, 3, 2, 1, ok. Le voilà. Ouais, les beaux sorciers. Gandalf. C'est pas Gandalf, il a pas de barbe. Oh, mais il a un chapeau. Quoique. Voilà, le big boss. On ne peut pas attendre Roland. Paraît bien, vous l'aurez voulu, battez-vous. Normal. Oh là. Ah non. Super, il y a un mode de... C'est quoi? Oh bah, ils ont pas fait long, quoi. Tu m'étonnes. Oh là. J'ai perdu ma manette dans les mains là. C'est moi, on est en train de l'OS. Ouais. Il y a une petite musique derrière, on dirait l'exorciste. Je sais pas, j'entends pas super bien. C'est bizarre que ce soit un peu trop facile et je sens qu'il va se passer quelque chose, pas toi. Ah mais je pense qu'on est... Parce que aussi on a un peu plus fort que... qu'avant quoi. Il est mort? Non. Voilà. Nécrotique. Ah, la droite derrière toi. Ok, bon, je crois qu'on va avoir tous les... Oh, il a plus de chapeau. C'est quoi, nécrotique? Il a balancé une plante, là, je sais pas ce que ça va faire. Blanc. Ouais, regarde, il a balancé un truc qui brille par terre, côté lui. Oh putain, il... Ah ouais. Donc, pour ceux qui savent pas, le beau sorcier, c'est un peu le... Ouais, c'est le beau Jack. Ouais, voilà le beau Jack, c'est-à-dire le méchant de... je trouve qu'il est un peu plus dur à battre là par contre. Donc. Ouais, c'est parce que j'ai pas mis mes tourelles. Ah mais non. Ah non. Donc c'est le beau Jack, voilà. Enfin, sauf que là, son nom, il a eu cet échange, il a tout pouvoir. Et le beau Jack, pour ceux qui savent pas qui c'est, bah, c'est le grand méchant de l'histoire originale, voilà. Alors, c'est qui... de... Pas le jeu, oui voilà, du Borderlands 2. Borderlands 1, je ne sais toujours pas qui c'est. Ouais, parce que pour vous dire, en fait, on l'a acheté avec Maxime. Maxime l'a acheté, et puis je me suis décidé de l'acheter aussi, comme ça, on se le refait. Et franchement, le 2 est mieux fait que le 1. Mais pas chier. C'est. Ça bug de partout. Enfin, même la map, c'est dégueulasse. Ouais. Je suis ralenti, c'est horrible. Et j'ai plus de munitions déjà. Il y a des trucs pour les munitions, alors regarde Max. Là, il y en a là, il y en a sur les côtés. Il y en a partout en fait. Oula! C'est bon, il y en a. Hein? Ah ouais, d'accord. J'ai plus de mine moi non plus, je vais prendre le crédit. Ouais, prends. Putain, je suis bloqué quoi. Oh, ils sont chargés, qui n'empêche. Hein. Ouais, un peu. Bon. Vite. Alors, tout va.
Ce combat va être épique, mesdames et messieurs. Moi, je suis en train de brûler le Bojack. Moi aussi. Mes tourelles, il y en a une sur les Bojack et une et l'autre sur les dragons. Par contre, l'autre, il est que sur moi, là. Ça m'énerve. Le dragon ? Non, le Bojack. Hein ? Bah ouais, moi, je suis rentré, je suis limite derrière. Mec, il envoie des dragons comme ça et tout. Ouais. J'envoie quelques grenades, il me aussi du feu. Ouais, il résiste au feu, c'est pas vrai. Les grenades, ils lui font rien. Ah, là, il est sur moi. Ouais. Ah, t'as fait la totale, t'as aussi le petit dragon. Oh putain, c'est son ventre. Il est mort ? Ah non. Pas encore. Je voyais plus, je me suis dit il est mort. Là je prends juste tarif. Moi aussi, par les petits dragons. Oh, heureusement que ma vie elle, se récupère assez vite. Putain, j'ai plus. J'ai plus de machin. Et des fourriages. Hop, c'est bon. Merde. Voilà. Oh putain, j'ai cru que c'était tombé de la map. Ah, excusez-moi. Il est où? Ah d'accord, il est au bout. Je crois que ça va être la fin. On va le pousser. Oh. Vous avez réussi, le beau sorcier mort. Et devinez qui est venu fêter ça? Notre chevalier invincible préféré, Roland. Bon, ça suffit, Tina. Vous avez réussi. On a gagné. Et Roland arriva, il était super content et tout le monde vécu heureux pour toujours, c'était cool, fin. Arrête! Tu ne peux pas continuer à nier ce que Jack a fait à Roland. C'est vrai, Tina. Sinon, ça vous dit des quêtes secondaires ou bien... Il faut que tu l'acceptes. Roland est mort. Je sais! Je sais! Mais c'est mon histoire! Tu sais quoi? T'as raison. Tu peux garder Roland. C'est toi qui décides. Ouais, continue. Donc en fait, j'ai envie de savoir comment ça se termine. Merci. Alors que le sort fatal du sorcier poursuit son chemin vers le chevalier inconscient du danger, il semble évident que seul un miracle pourra le sauver. Mais heureusement pour lui... C'est justement le jour des miracles. Ah! C'était cool. J'ai bien aimé le moment où on l'a tué. J'ai bien aimé le moment où on l'a tué. C'est sympa. Ah. Mordecai. Alors que vous enjambez les corps des chevaliers qui ont tenté de tuer la reine, vous comprenez que vous êtes au bon endroit. Car qui d'autre pourrait bien ramener la lumière sur le monde? Qui d'autre que la créature la plus belle, la plus gracieuse et la plus racée de toute l'histoire? Étalon de... Oh ah, non. Oh non. Qu'est-ce qu'il fout là, Ethan Geek? Pourquoi? Pourquoi? Regarde, j'ai des billets. Merde. Ah non. Incroyable. Oh le délire. Je sais pas pourquoi chaque fois on va avoir foutu des iridium. Oh, regarde tous les iridium qui sont par terre. Oh putain. Oh, mais... oh là, elle en a... En train de se taper des barres là-bas. Là. Oh non, mais pourquoi il est allongique? Ah, franchement, énorme. Franchement, j'aurais plus. Non, quoique Moxie, on l'a vu avant, mais. Alors, regarde, tu peux la nourrir avec de l'iridium. Oh bah merde, c'est. What the fuck? Wouah! Wow. Tu me dois 5 iridium, Max. C'est ça. Oh, l'arc-en-ciel qu'on voyait au tout début du jeu. C'est tu vois. Oula. Oulala. Alors, ça vous a plu, les amis? C'était vraiment génial, Tina. Trop bon! Je dois dire que c'était plutôt sympa. Hé, les mecs, l'espion vient de cracher les codes d'accès à la base lunaire d'Hyperion. Vous êtes d'humeur à faire péter une station orbitale? À ton avis!
Et c'est ainsi que les chasseurs de l'Arche et leurs petites psychopathes retrouvèrent le désert. De retour une fois de plus, dans un monde de violence et de folie, après de trop brèves vacances. Au revoir. Et dans les jours qui devaient suivre, ils repenseraient à leurs amis disparus, aux aventures partagées, réelles ou imaginaires. Et ils se souviendraient que, quelle que soit la situation, ils ne seraient jamais seuls, à condition de se serrer les coudes. Je vous adore tous. Oh non. Et après, clap-trap a déconné et a ruiné l'ambiance. Énorme. Ah, t'as vu, Max, il y avait le sadique au fond sur un rocher. Ah non, j'ai pas vu. Je regarderai tous les persos. Ouais, je fais défiler le truc en rapide. Donc bah, je sais pas pour toi, mais c'est la première fois que je voyais les nouveaux personnages en cinématique et surtout la sirène qui parlait, quoi. Ouais, c'est clair. Cinématique. Vous avez jamais vu. On les voyait, mais on les entendait pas parler. Bah, moi j'ai pas de souvenir qu'on les voyait. Si, dans. Bah mince, comment. Dans la chasse d'Hammerlock, on pouvait le voir. Ah, bah, je m'en souviens plus trop. Ça, c'est une. Ah, t'assure, Gamine. T'assure, qu'est-ce que c'est? Vous avez terminé la quête en sauvant la reine. T'assure, Gamine. Oh, le talon du cul. Nous avons. Non, mais. Franchement, qui s'attendait à avoir étalon du cul? Ouais, franchement, pas mal. Moi, j'aurais cru que c'était Timmy. Tina. Saute, Max. Ouais, c'est la fin de la vidéo. Bon bah je crois qu'on va pas s'arrêter là, Max. Hein. J'ai cru que je tombais, mais en fait non. J'ai failli. Donc oui, donc c'est enfin la fin de cette aventure, vous enfin, qui l'attendiez. Non. J'ai eu pas mal. Je suis très triste. j'ai eu pas mal de commentaires en disant ouais, on veut la suite, nanana, sur les autres vidéos. Et bah voilà, vous avez enfin la suite et la fin de ce Wostro sur bah le dernier DLC, enfin dernier gros DLC avec une vraie histoire sur Borderlands 2. Enfin c'est censé être le dernier normalement. Désolé, j'ai eu un bug de connexion Skype au dernier moment où on se disait au revoir. Donc comme Claptrap, hein, tu niques le moment. Niquez la fin, voilà. Ce moment de paix et de licorne. De paix, ça voilà. Pue. De paix, ça pue. Donc, bah, j'espère que vous avez vraiment apprécié. Bah, déjà, c'est mon tout premier Wostro. Et, j'espère vraiment que vous avez apprécié pour pas qu'il se. Merde. Je suis tellement ému. Donc, j'espère que vous avez vraiment apprécié cette aventure parmi nous. Voilà. Je vais t'aider parce que t'es tellement ému que ça m'émue. Et j'ai aussi mal à la gorge. C'est horrible. Les talons du cul. Je te dis adieu. Adios los amigos. Bisous. Et je vais vous dire un dernier au revoir avant de me suicider. Donc, Non, c'est moi qui commence. Attends, sautera en même temps. Attends, arrête. Attends, c'est de mettre pareil que toi. Oh non! Voilà comment tout niquer. Putain! Bref, c'est pas grave, on sautera la jambe en dessous encore. On se sautera. Bah, on va se dire au revoir sur cette. Enfin, on voit Yoann avec des nuages au-dessus. Tiens. On envoie une roquette. Donc bah j'espère que, vraiment que vous allez si vous voulez d'autres vidéos de toute façon avec moi et Yoann, il y aura le Let's Play sur Dead Island Riptide qu'on fera bien sûr juste tous les deux parce que pas mal de gens disaient aussi qu'ils aimaient bien notre duo, on était marrant etc. Oh, ça me fait plaisir. Donc, moi aussi je vais lâcher une petite larme après je fais une petite larme. Donc bah voilà, j'espère que ce Wostro vous a plu, que vous allez suivre. Bon, je vais arrêter de faire le triste parce que ça me va vraiment pas.
Je vais pas attarder plus sur. Banzai Koshun. Koshun. Donc voilà. Yoann, tu veux dire quelque chose avant de se quitter et de se retrouver pour le prochain Dead Island le prochain Let's Play sur Dead Island Reptile? Ouais, je voudrais dire bah merci pour cette aventure. Écoute, c'était génial. On s'est bien amusé. C'est vrai qu'on a mis un bon moment pour sortir cette fin d'épisode. Mais bon, ça valait le coup d'attendre. On a été surpris par la fin. On s'est bien marré là. Et puis, ça fait toujours plaisir de. Bah, je sais pas, de se taper des bons moments sur un bon jeu, quoi. Parce que franchement, cette aventure. Putain, Drago, t'as niqué mon ambiance! Qu'est-ce qu'il fait là? Vas-y, on s'en fout. Il va pas nous attaquer. Ah bah d'accord. Faut que je range ça alors. Et puis, ouais, bah, c'était une chouette aventure. On s'est bien amusé. Puis, rendez-vous bientôt sur Dead Island Reptile. Voilà, donc de toute façon vous allez encore pouvoir nous suivre. Enfin, j'espère que vous allez encore nous suivre de toute façon. Ouais, j'espère, venez nombreux. Nombreux. Il y a de la place. Et toujours tout droit debout. Regardez comment on est bien. Venez avec nous. Ça ferait limite une pédophile ça. Regarde tout ce qu'on peut faire. Donc c'est la fin de cette vidéo et la fin de ce walkthrough sur Tinitina et la forteresse du dragon. Nous on va faire une mission secondaire de notre côté. Parce que je pense pas que ça vous intéresse vraiment. Ça fera un petit peu long après. Ouais voilà. Vous avez vite vous enlacer. Voilà. Parce qu'on va faire plus courir et tout, faire les missions, etc. Et puis bourriner que là. Oh, regarde Maxime, quand je tire dans l'eau, elle est rouge. Non, moi aussi. Si. Bref, donc on va se quitter là et on se retrouve. Moi j'ai mon let's play encore qui continue évidemment sur Synthro 4. Et après, prochainement, le let's play sur Dead Island Reptile à nous deux. Voilà. Donc là, c'est vraiment, mais vraiment la fin de cette vidéo. Moi je vous dis à la prochaine. On se retrouve pour les prochains épisodes de Dead Island Reptile tous les deux. Ouais. Donc moi je vous dis salut et à la prochaine. À plus tout le monde.